Et salut les amis, c'est Blasto et bienvenue sur Duke Nukem 3D. Ça fait donc un petit moment que j'avais envie de vous faire cette vidéo, parce que bon, Duke Nukem c'est quand même un jeu que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup parce que c'est un jeu des jeux de mon enfance, même si à l'époque j'ai pas pu trop découvrir parce que j'étais assez nul au FPS. Et surtout parce que j'y jouais sur PS1. Alors oui, là je peux me faire juste défoncer pour ça. Legacy Duke Talk. Duke Talk. Il sort des phrases de l'époque, c'est quoi la différence? Je sais pas. On va laisser comme ça. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est que je jouais sur la PS1 à Duke Nukem 3D. Que c'était super bien, mais que c'était horriblement dur à cause d'une chose, c'est comme tous les FPS sur console, c'est le fait que pour viser en haut ou en bas, il fallait appuyer sur, je crois que c'était L1, R1, des trucs comme ça, et c'était affreusement chiant, et que ça rendait le gameplay assez compliqué. Du coup, j'ai pas pu trop découvrir le jeu, mais je compte bien me rattraper avec Duke Nukem 3D World Tour. Voilà. C'est de la merde, j'ai un accent de merde aussi, on s'en fout. Le seul truc important, c'est que c'est un super bon jeu, j'ai pu jouer un petit peu, alors bon, quand je dis un petit peu, en vrai, je suis allé jusqu'à ce level-là. Lunar Apocalypse, c'est l'usine de téléportation, de téléporteur, je pense que c'est quelque chose comme ça. On va recommencer depuis le début et on verra jusqu'où on va. Je pense pas faire plusieurs épisodes. Ou alors sinon, je fais un gros épisode. Et après, je poste en plusieurs fois. Enfin, je vais voir, hein, c'est pas trop important. Ah, on peut commencer vraiment n'importe quel level, ok. Alors, est-ce que j'ai vu... il y a un tout nouveau chapitre qui n'était pas du tout là à l'époque. Alors, je pense que c'est celui-là. Parce que ça ne me dit absolument rien du tout. Ouais, je crois que c'est celui-là. Quoique celui-là aussi, en fait. Hein. Il n'y a que celui-là et celui-là qui me disent quelque chose. Enfin bref, on va lancer Hollywood Holocaust. Alors, Duke Nukem, si vous ne connaissez pas quand même... Enfin, je pense pas que... C'est pas possible en fait de ne pas connaître. Peut-être que vous ne connaissez pas le jeu en lui-même et vous avez forcément déjà vu une référence quelque part. Alors rien que ça, ça devrait vous rappeler ou... Enfin, vous rappeler quelque chose en fait. Hein. Ce niveau-là a été repris notamment, je pense, à Punch Club. Ils ont repris le toit. D'ailleurs, peut-être que je vous mettrai le screen si j'y pense au montage. Ils ont réutilisé le toit. Ils ont même remis ça, enfin l'aération et puis les petites bonbonnes ici. Oh, tiens, les cartouches ici, c'est vrai. Du coup, le jeu a été quand même vachement amélioré. Ils ont rajouté des ombres et tout. Enfin, c'est un truc de malade ce qu'ils ont fait. Je sais plus ce que c'est la touche. Il y a une touche qui permet d'avoir les graphismes de l'époque. On va mettre ça tout de suite. Je vais juste regarder. Toggle map, non, ça on s'en fout. Render mode, ça doit être ça. Voilà, alors. Voilà à quoi ça ressemblait à l'époque. Alors là, vous devez sûrement gerber ou quelque chose du genre. Je comprends parce que moi aussi ça me donne un petit peu envie de gerber. C'est le fait que ce soit un vieux JPEG. Je sais même pas comment décrire ça en fait. C'est un JPEG qui est collé à la caméra en fait. Qui est collé derrière la caméra tout simplement. Alors que maintenant. C'est vraiment positionné sur la scène et c'est bien rendu comme ça devrait l'être. Parce que là quand même quand vous voyez ça, bon ça fait un effet 3D mais ça ne l'était pas à l'époque, hein, c'était pas vraiment vraiment 3D. Les décors étaient en 3D mais par contre tout ce qui était sprite était en 2D. Donc c'est pour ça que l'illusion était plutôt plus ou moins bien faite en fait. Bon voilà, on va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps sur ça. Donc il faut tirer sur ces bonbonnes. Tout en faisant attention à ne pas être à côté parce que sinon ça fait énormément de dégâts, je crois même que ça peut vous one-shot. Là vous êtes obligé de vous casser la gueule, c'est normal, mais vous recevez direct un medikit. Je me rappelle plus trop ce qu'il y a. Innocent. Il y a un petit point d'interrogation fait avec du sang, on dirait. Alors du coup si je mets avec le render mode de l'époque, regardez ce que ça donne. Ça c'est tel qu'il était sur PS1 et sur PC aussi. Mais vu que moi j'y ai joué sur PS1, ça ressemblait à ça. Bon c'était quand même pas très très beau, l'effet de profondeur était vraiment mal fait. Enfin mal fait par rapport à maintenant, mais pour l'époque c'était quand même pas dégueulasse. Mais c'était vraiment terne, il n'y avait pas trop de luminosité. Maintenant, vous voyez vraiment des effets d'ombre, tout ça, c'est vraiment joli. Pourtant tu m'as mis une balle, je sais pas d'où. Du coup ce qui est bien c'est qu'on a une touche de sprint, je me rappelle pas d'avoir eu ça à l'époque. Même si c'est probable que si.
Voilà, il y a un secret par là, il y a des ennemis qui sont cachés. Et le jeu était quand même pour l'époque plutôt bien fait pour pas mal de choses. Ça non plus, ça n'était pas l'époque, les taches de sang sur les murs, hein, je crois. Ouais, quoi que je dis peut-être des âneries. C'est vrai que ça fait tellement longtemps que c'est possible que je dise que de la merde en fait. Du coup, c'était révolutionnaire pour plusieurs choses, mais la chose à laquelle je pense là tout de suite, c'est l'interactivité avec le monde. On pouvait interagir avec plein de choses en fait. Il y avait. Alors là, il n'y a pas grand-chose. Là, bah si, il y a par exemple ça, vous voyez, c'est une affiche. On peut interagir avec, et en fait, c'était un placard secret, et on a des stéroïdes. Alors, je sais plus à quoi ça sert les stéroïdes, je crois que c'est pour peut-être pour réduire les dégâts, quelque chose comme ça. Vous me corrigerez dans les commentaires si je dis n'importe quoi. Et vous aviez notamment des caméras de sécurité. Et quand vous aviez ce petit champ bleu, cette espèce de filet bleu, ça veut dire que c'était indestructible et que vous ne pouviez pas passer à travers. Donc si je tire dessus, vous voyez, ça fait une espèce de bruit bizarre. Voilà, je sais pas si vous entendez bien. Et du coup, on pouvait interagir avec ça et ça permettait de voir les caméras de surveillance. Et ce qui était impressionnant, c'était de voir son personnage. Là, vous voyez Duke de dos sur la droite. Et ça, pour l'époque, c'était vachement impressionnant. Là, il y a une caméra extérieure, une caméra, on peut voir les ennemis à l'intérieur du cinéma, une dans les toilettes, salle de projection. Là, je sais plus où c'était. Enfin, bref. Ouais, il y a le ADA anarchiste, ok. Et du coup, c'était vachement impressionnant pour l'époque, et surtout, les niveaux secrets étaient pas mal aussi, parce que vous voyez, de l'intérieur, on voit parfaitement bien, mais de l'extérieur, c'est juste une texture. Pour ça, il y avait quelques autres jeux de 3D Realms qui ont été repris. Enfin, qui ont repris ça, notamment dans Shadow Warrior, puisque j'ai acheté le classique Redux. Je ne connaissais pas ce jeu à l'époque, je ne savais pas que ça avait été développé par le même studio que Duke Nukem et à peu près à la même époque. Et franchement, c'est aussi un très bon jeu, mais que je trouve un poil plus dur que Duke Nukem. On va essayer de récupérer ça. Hop. Voilà. Du coup, j'ai pas pensé à récupérer l'Atomic Elf ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu qui se prend pas du tout au sérieux. Il y a plein de choses qui sont totalement illogiques dans Duke Nukem, mais qui sont très très drôle, qui rend le jeu très fun. Bon, y a des ennemis qui volent, mais ça c'est un point de détail, on va dire. Ah ok, les stéroïdes ça me fait courir. Courir beaucoup beaucoup plus vite. En plus j'ai appuyé totalement par hasard. Je voulais juste recharger, mais c'est vrai qu'on ne recharge pas dans ce jeu. Ouais, oula, je suis parti où? Ah il est juste là, à la fenêtre. On va tenter de pas se faire tuer. Hop. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal de références à tout ce qui est nucléaire et tout dans le jeu. Enfin, surtout armes atomiques, comme l'Atomic Health, du coup. Ils avaient fait une version remasterisée à l'époque, bien avant celle-ci, qui s'appelait l'Atomic Edition, mais qui apparemment, selon certaines personnes, était quand même bien mieux que celle-là. Moi, perso, je suis pas mécontent, franchement. Je la trouve pas mal. Et du coup, on peut trouver la santé atomique. Et ça tire d'où là? La santé atomique qui nous permet d'augmenter la santé un maximum de 150, ce n'est pas dégueu. Oui, du coup, c'est ça, on a aussi. Pas maintenant. Ah, j'ai pas réussi, tant pis. Et du coup, comme je vous disais, par rapport aux interactions, on peut aussi tirer dans cette poubelle et vous voyez, ça marche. Elle se plie. Enfin, c'est une poubelle en plastique, mais elle se plie, donc c'est pas dégueulasse déjà. On peut allumer la lumière par exemple. Bon, même si à l'époque c'était. Voilà, ça ressemble à ça. C'était quand même pas dégueulasse du tout. Il y a encore un ennemi au plafond. Hop. Où est-ce qu'il est mon RPG? Voilà, il est là. Ah, il y a les ennemis qui se téléportent. Ça, c'est un peu embêtant. Alors, je les ai bien explosés par contre. J'ai bien réussi mon coup. On peut casser cette bouteille aussi, je crois. Voilà, on peut casser cette bouteille. C'est vraiment pas mal. Alors là, il y a un shotgun, mais il y a un ennemi à droite. Enfin, à gauche. Pas dégueulasse. Ok. Alors par contre au début on n'a pas beaucoup de balles. Donc il va falloir que je fasse assez attention. Pas en mettre partout. Ah ça donne plus 50 de santé. Alors je crois que ça peut aller jusqu'à 200, il me semble, hein, la santé. Vraiment au gros gros maximum. Et au début ils sont plutôt, comme vous l'avez vu, ils sont plutôt pacifistes hein, quand même. Enfin pacifistes. Pas vraiment pacifistes mais... Alors là ça je peux le détruire aussi. Je veux dire qu'ils sont plutôt... Inoffensif, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, inoffensif. Du coup, j'ai complètement oublié, mais il y a un raccourci ici. Quand vous voyez des fissures de ce genre dans les murs, en fait, c'est-à-dire que vous pouvez tirer, enfin, lancer un explosif dessus, ça va détruire. Du coup, là, ça nous aurait fait un raccourci, en fait. Parce que j'ai récupéré le RPG bien avant, j'aurais pu tirer directement là et rentrer dans le cinéma par ici. Mais bon, du coup, maintenant, je peux le faire pour... voilà.
Voilà, vous entendez, il fait des petites répliques comme ça qui sont pas mal badass. J'ai un peu cassé l'horloge là, d'accord. Oui, du coup, je disais, voilà, donc l'environnement est totalement destructible à certains endroits et c'était vraiment pas mal pour l'époque. Hop, c'est bon. Tout. Salle d'arcade. On va faire exploser ça. Oh, ça fait tout exploser ici aussi, j'avais oublié. Ok, Laura, on peut pas lui tirer dessus. Alors là, normalement, ça nous amène ici, d'accord. Ça nous ramène là. Alors là, il me faut la red card. Et là, il y a encore plusieurs petites interactions qui sont vraiment super sympas. Que j'ai découvert en même temps que Benzaï, en fait. Enfin, que Benzaï m'a fait découvrir plutôt dans ses vidéos. C'est qu'on peut mettre les doigts dans les prises. Vous interagissez avec les prises. Vous prenez du jus, en fait. Ça vous fait perdre de la vie et de la santé. Là, on a une fameuse référence à Duke Nukem, encore une fois, avec le flipper Balls of Steel, puisqu'il a la fameuse réplique I've got Balls of Steel de Duke Nukem. Dans cette même salle, alors là, on a une petite bande d'arcade plutôt sympa. Et on a encore une référence ici, qui est carrément le flipper Duke Nukem 2. Parce que bon, il faut savoir que Duke Nukem 3D, c'était pas le premier de la série, hein, il y en avait eu deux avant quand même. Ils ont bien géré leur coup, je trouve, pour ça. Les jeux qui étaient pas forcément très très bien, hein, les deux premiers, il me semble. J'en avais entendu parler, c'était pas ouf. Pour ça que du coup, on n'en a pas entendu parler avant vraiment le 3D. Et Duke Nukem Forever. Merde. Je me fais exploser la tronche tout seul. Il me faut la red card et je ne sais pas où elle est. Ah si, je sais, elle est dans la salle de projection. Par contre, comment on y accède? C'est par là. Hop. Voilà, en fait. Faut avouer que commenter en même temps jouer, c'est assez compliqué. Donc si vous dites que je pue la merde à ce jeu, bah, c'est sûrement à cause de ça en fait. C'est sûrement à cause du fait du coup que commenter et jouer bien, enfin, correctement en même temps, c'est pas très difficile. Je me rappelle pas de ça. Hop. Encore un RPG, alors du coup là il y a encore un petit easter egg. Vous voyez, si vous désactiviez cet interrupteur en fait tout simplement, et ça faisait apparaître petite pin-up, enfin voilà, bon pour l'époque c'était un peu ouf. Et vous avez la fissure encore une fois, donc on va en profiter, boum. J'ai rien oublié. Hop. On tombe tranquillement et là on a encore une secret place. Et là, on pouvait voir vraiment son reflet dans les miroirs et c'était en temps réel. Vous voyez, si je bouge, le sprite se déplace aussi. Et ça, c'était pas dégueulasse du tout pour l'époque, hein. On va pas se le cacher. Du coup, je crois que j'ai même pas besoin. Jetpack. Moi, j'ai le jetpack, donc du coup, on a même pas besoin de la red card pour finir le niveau. Il faut tout simplement monter ici. Alors, normalement, on aurait dû arriver par là. Ah, il y a le porc au flic. Lui, là, on va ma vie. Hein. Voilà, bon, là, on trouve des munitions, on va les récupérer vite fait. Ah, en fait, la red card nous a mené ici, d'accord, c'est ça. Lui, je l'ai même pas vu. Voilà, meurt. Alors, ça, c'est bon, c'est des flics porcs qui ont des fusées à pompe et qui sont un peu plus coriaces que les ennemis de base. Et voilà, pour terminer le niveau, on a ça. Il faut casser la vitre, appuyer sur. Enfin, interagir avec. Bam, autodestruction. Et là, franchement, ça envoie du pâté quand vous voyez ça. Parce que c'est le mec, il est vraiment badass en fait, Duke Nukem. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le personnage en lui-même, c'est vraiment. Comment dire ça? Le personnage qui a un égocentrisme, mais hallucinant, mais qui défonce tout, le tas de muscles, qui peut limite le couper en deux à main nue, quoi, le monstre. Hein. Mais c'est badass au possible. On a trouvé 5 secrets, on en a loupé 3, il y a 8 secrets dans ce niveau, je ne savais pas. Enfin voilà, ce personnage, je pense qu'il faut vraiment jouer au jeu pour comprendre à quoi il est vraiment en fait au fond de lui. Le caractère du personnage, c'est vraiment n'importe quoi, c'est super drôle et super cliché, c'est ça qui rend le jeu très très drôle. Du coup, on a le temps des développeurs, le 3D Realms Time, qui est de 53 secondes. Terminer le niveau en 53 secondes, quand même, faut vraiment le rusher. Enfin bref, on va passer. Rockin'. On va vraiment passer au niveau 2 maintenant. Hop. Normalement ça commence de suite, hein. Voilà, c'est ça. Forbidden. Oula, oula, oula. Et là on commence à faire connaissance avec les ennemis volants.
Ce qui commence à être un peu plus gênant parce que ça fait plus de dégâts. Ça fait... Non seulement ça fait plus de dégâts. Est-ce que ça se casse ce truc? En fait, je sais pas, hein, je connais pas toutes les interactions avec le monde. Alors, non seulement ils font plus de dégâts, ou alors ils tirent plus vite. Hein. Je crois qu'ils tirent. Ils ont juste une cadence de tir plus élevée. Ce qui est gênant, c'est qu'une fois qu'on détruit le vaisseau, en fait, à part si on le détruit aux explosifs, il lâche un porco-flic systématiquement. Mais il me semble que si on le détruit au lance-roquette, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, il meurt. Ah non, même pas, il meurt pas directement, je croyais. On va commencer à utiliser le fusil à pompe. Et du coup, la particularité de des porco-flics, ce qui était assez chiant pour l'époque, c'était le fait qu'ils s'allongent. Ça, c'était un petit peu déroutant parce que parfois on pouvait penser qu'ils étaient morts, mais en fait, pas du tout. C'est assez gênant. Hop, on continue. On a un bar, il faut une carte d'accès jaune. Ok. Là, il faut une carte d'accès bleue. Ok. Le building est condamné apparemment pour destruction, pour démolition. Voilà, il y a le logo de 3D Realms. Je sais pas comment ça se prononce, Realms. Enfin bref. Du coup, il faut passer où là déjà? Est-ce qu'on peut passer par là? Il y a des choses à récupérer. Je me souviens pas exactement où il faut aller. Hein. C'est pour ça le trajet, je ne le connais pas par cœur. Ah bah ok. En fait, j'ai mal ouvert tout à l'heure. Ah, dégage, démon. On n'a pas le droit de fumer, mais par contre, on a le droit de vous armes à feu, donc c'est pas grave. Voilà, on va faire gaffe parce que je suis en train de me faire latter la fesse. Hop, on récupère le shotgun. On va finir ce qui reste dans le magasin. Hop, ok, personne n'a le droit de passer au-delà. Ok, encore une faille dans le mur. Ah ouais, là aussi il y a des... Ok, alors toi t'étais pas mort. Un petit sèche-cheveux... Enfin non, c'est ouais, un sèche-main plutôt. Oui, une petite interaction, c'est on interagit avec le miroir. Et damn, I'm looking good. Donc bon... qu'est-ce que je suis beau quoi, en gros. Hein, c'est le mec qui se la pète pas du tout. Et la petite interaction marrante, c'est qu'on peut interagir avec les toilettes. Et on peut faire son petit pipi. Et voilà, et du coup ça le fait se sentir mieux et on gagne des points de vie. Et si on le pète, voilà, ça fait de la flotte tout simplement. Et on peut boire à la flotte pour récupérer de la santé à l'infini comme ça. Du coup, je pense pas que ce soit un vrai bruit d'eau parce que c'est un petit peu bizarre. Mais en gros, voilà, c'est un petit peu chiant ça par contre, mais on peut récupérer de la vie à l'infini comme ça, juste en buvant de l'eau. Et du coup, on peut faire ça avec les toilettes, on peut également faire ça avec les borne d'incendie, je sais plus exactement comment on appelle ça, qu'on trouve dans les rues, donc il y a pas mal de choses comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment l'interaction est assez profonde, donc n'hésitez pas à interagir avec à peu près tout et n'importe quoi, vous risqueriez d'être très agréablement surpris comme je l'ai été. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas des trucs ici, non? Ça se trouve, il y a des références hein, là aussi dans les DVD, mais j'ai pas trop cherché. Qu'est-ce qu'il y a? Caméra de sécurité, on s'en fout. Ah, en haut, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y a pas des trucs? Si. Il y a l'Atomic Health. Je savais qu'il y avait quelque chose de caché. Alors du coup, là, on a une combinaison à trouver. Il n'y a aucun moyen de le découvrir, mais à part ça, voilà, de tester au pif. Mais franchement, c'est pas dur. Hein. Ouf, j'ai esquivé ton tir, toi. Boum. Allez, un coup de pied dans la gueule. Oh, toi aussi. Oh, tiens, un coup de pied dans la gueule aussi. Ah, ça fait du bien. Ah, qu'est-ce que tu fous là, toi? En plus, il y a plein de rats partout. Du coup, j'ai aucune idée de l'intérêt de cet endroit en fait. À part me faire perdre mon temps. Ah, du coup, là, on va avoir une arme un peu plus intéressante déjà. Ah, ce qui est bon, c'est qu'il y a les dégâts de chute pour les ennemis aussi. Comme vous avez vu, lui, il est tombé. Il s'est croûté vraiment comme une merde. Et puis, il est mort direct de sa chute. Là, on peut activer un petit interrupteur qui affiche ce message, c'est assez marrant. Duke Nukem doit mourir, moi j'aime bien. Ils veulent vraiment vous buter parce que vous êtes la seule personne qui peut sauver le monde en fait. Hein. Et là, le Chain Gun Cannon, qui est vraiment une arme très 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 intéressante et dont on va avoir besoin assez rapidement parce que c'est une arme qui est très puissante et qui tire très vite. Voilà, c'est grosso modo pour ça qu'on va en avoir besoin. Du coup, on peut récupérer de la santé là aussi.
Mais bon, là, vu que je suis déjà au-dessus du maximum, c'est pas possible. Du coup, on n'a pas trouvé la carte bleue. C'est un petit peu gênant. Est-ce que je l'ai loupé? C'est possible que je l'ai loupé. Dans ce cas-là, je suis un peu cruche. Surtout que le jeu est pas super dur, hein, franchement. Ce qui est difficile, enfin, le plus difficile, c'est de pas mourir. Après, le reste, franchement. Ok, je suis reparti là. Il n'y a pas de clé. On va interagir un peu partout au cas où, hein. Pas possible quand même que j'ai loupé. Pas casser ça, non. Tu sors, toi. Il y a une salle que j'ai dû louper là. Par là. Pas possible. En plus, on voit rien. Bon, excusez-moi si vous voyez rien, hein, mais. Ouais, du coup, la lumière se fait en temps, c'est pas dégueulasse, quoi. C'était probablement là, mais j'ai dû louper. Pas quelque chose dans les murs, non? Où est-ce que j'ai pu louper? Ah, oh là là, je suis vraiment débile. Excusez-moi, je suis vraiment débile. Le pire, c'est que je le savais en plus, parce que j'ai déjà fait ce niveau. C'est vrai que c'est assez déroutant quand même, hein. Quand on fait ça en vidéo. Alors maintenant, faut trouver la bonne combinaison pour tout détruire. Bon, bah, je trouve directement. Ok. Je la connaissais pas du tout. Et là, on est en train de détruire le bâtiment. Ah oui, pour l'époque, c'était pas dégueulasse non plus, hein. Le niveau qui se modifiait comme ça en temps réel, je pense que c'était pas, c'était vraiment bien. Et du coup, on gagne la carte d'accès orange, enfin jaune. Et là, il y a une plaque d'égout. Et du coup, j'ai jamais su à quoi elle servait. Si c'est parce que c'est quand même bizarre, une plaque d'égout qui sort de nulle part d'un bâtiment qu'on vient de détruire. Quelques trucs qui sont pas clairs là-dedans. Hop, là il y a quelque chose. Non, rien du tout. Ok, bon, on repart. Et on va ouvrir la porte ici. Hop, je vérifie le temps. 22 minutes de vidéo, c'est pas dégueu. Hop là, hop là. Bon, bah, je pense que je vais continuer comme ça et je couperai la vidéo en deux. Ou même en 3 si possible. Enfin, si besoin est. Et encore là, encore un exemple d'interactivité. Mais là, un peu plus poussé. C'est ça. On peut jouer au billard avec des sprites 2D. Et il y a une vraie physique. Une vraie physique, et même en fonction de là où. De là où vous trouvez. Ça lance vraiment dans la bonne direction. Du coup, ça fait rien de spécial, mais on peut juste continuer comme ça jusqu'à que toutes les boules soient rentrées. Hop. On va réussir. C'est bon, elles sont toutes rentrées, voilà. Bon, ça sert à rien, mais on peut le faire. Et c'est le genre de détails qui sont plutôt sympas dans un jeu. Plutôt un jeu de cette époque. Du coup, là, je vous ai pas montré, mais il y a une grille d'aération et on aurait très bien pu passer par là. Vous voyez? Pour arriver dans les toilettes directement. On va casser ça. Oups, ça sert à rien, il y a du PQ. Alors des fois il lâche des phrases comme ça, je sais pas pourquoi. En tout cas, il aime bien les miroirs. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que Duke Nukem Forever a un peu cassé le personnage pour ça. Justement parce qu'ils ont poussé son caractère à l'extrême, le fait qu'il soit vraiment égocentrique, mais c'est vraiment poussé, mais à un point, genre ça devient presque écœurant. Le fait par exemple qu'ils aient remplacé la barre de santé par une barre d'ego, rien que ça déjà, je pense que ça c'est pas mal. Après, ils ont essayé de faire des bonnes choses, par exemple, ils ont fait en sorte que justement ils ont essayé de reprendre cette interactivité qui a fait la force du jeu à l'époque. C'est en faisant interagir avec à peu près n'importe quoi dans Duke Nukem Forever. Je m'arrête 2 secondes juste pour vous en parler. C'est-à-dire que dans le jeu, dans Duke Nukem Forever, on pouvait interagir avec plein d'objets, avec des petites phrases supplémentaires et tout. Comme par exemple, on pouvait faire de la muscu. Et ça faisait que notre barre de santé, enfin le maximum, augmentait en fait. On passait de 100 à 110 par exemple. Ils ont voulu faire ça, alors bon, c'était pas une mauvaise idée, mais le problème c'est que c'était vraiment poussé à l'extrême et c'est ça qui cassait tout. Le problème c'est que le personnage du Duke est très marrant de base. Oula.
Oulala, je m'attendais pas à ça. Il est très marrant de base, mais justement parce que c'était exagéré, mais là c'était même plus exagéré à ce niveau-là dans Forever. Et le fait qu'ils aient fait autant de fanservice, c'est ça qui a un petit peu cassé le jeu, je pense. Enfin, en tout cas, il y a plein de choses qui font qu'il était mauvais, même l'optimisation du jeu était mal faite, hein. Enfin bref. Du coup, j'ai oublié de préciser quelques petits trucs, c'est que déjà on a le symbole atomique sur le fusil à pompe, j'avais pas remarqué ça. Et ensuite, on a des save states. On va poser ça là, voilà. Alors je sais plus s'il y en a en jeu. Ah oui, si on peut faire F6 et directement aller là. Du coup, on va sauvegarder sur le slot 2. Et si on meurt aussi, on peut reprendre à partir de là où on veut, vraiment à la seconde près. Tiens, on va lui parler. Là, c'est marrant parce que du coup, il aime beaucoup les prostituées, hein, voilà, clairement. Du coup, tu peux donner de l'argent à la pute ou la défoncer. Ah, par contre, ouais, c'est vrai que c'est un petit détail, c'est qu'il faut éviter de défoncer les putes parce que le jeu aime pas trop ça, c'est pas pourquoi. Il y a des monstres qui apparaissent à chaque fois qu'on en tue une. Hop là, y a rien. Je sais que dans le comptoir, il y a quelque chose, il y a la carte, voilà. Ah, du coup, il y a des munitions, mais j'en ai déjà trop. Dance. Oh là là, faut calmer direct. Il fait très très mal. Oh, Dameson. Oh là 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 là. Boum, voilà. C'est comme ça qu'on fait. Le medikit portable, c'est comment? Voilà, c'est ça, c'est M. C'est bien qu'on a un medikit portable, hein, parce que sinon là j'aurais été très 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 mal. On va faire très attention. Voilà, là j'ai pris encore très très cher. Du coup, dans ce niveau, hop, on va sauvegarder parce qu'il me semble qu'il y a encore un gros truc après. Alors là, c'est marrant, hein, pensons, si elle, on lui donne de l'argent. Bon, ouais, voilà, il faut une petite danse. Oh, pff, on a de la santé sur les bords, on va en prendre vite fait avant de se faire plus tabasser. Est-ce qu'il y en a ici? Là, non, il y a des munitions. Alors, il me semble qu'il y a quelque chose par là. J'ai entendu des bruits, ouais. C'est un peu bizarre. Ok. Est-ce que c'est par là qu'on doit passer? Ouais, on peut y aller directement. Ouais, la santé atomique, c'est pas mal. Des pipe-bombes. Alors ça, c'est des bombes d'une espèce de C4. En fait, on les balance et après, on peut les faire exploser quand on veut. Tiens, on va tester là. Hop. Boum. Allez. T'as même pas explosé, tu te fous de ma gueule? Voilà. C'est ça qu'on veut. Des explosions, des boobs. Ils ont tout compris à l'époque, hein, quand même. Non, je rigole. Je plaisante sur ça, mais bon, c'est vrai que c'était une bonne recette pour l'époque, hein. Maintenant, ça fonctionne plus ou moins. Oula, bon, trop tôt, tu vas te faire un petit peu voir quand même. Parce que tu mets des coups de fusil à pompe en plein dans la gueule comme ça, c'est pas super. Oula, ça j'avais oublié aussi. Ouais, lui il a apparu aussi. C'est marrant parce que chaque fois qu'on les défonce, il y a toujours une petite réplique du Duke comme ça qui sont très 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 amusantes. Un petit peu de la provoque, hein, quand même. Est-ce qu'il y a un moyen d'aller là-dessus? On peut repartir là. Ah bah oui, je suis bête. Ah oui, alors là, vous voyez, je me suis fait complètement one shot à ce moment-là. Hop, on va repartir là. Hop. On va se laisser tuer. Alors là, il arrive plus à me toucher subitement quand même. Voilà, je voulais juste me faire tuer pour repartir un petit peu en arrière. Hop. Voilà, on va repartir de là. Je voulais juste repartir avec un peu plus de santé quand même. Hop, voilà. Alors vous voyez, on voit quand même plutôt mal les ennemis, hein. On va le voir comme ça. Ce qui était pas mal du tout. Hop. Voilà, c'est bon. Ah, et là, on s'est fait trap. Et là, il parle. We're gonna fry your ass, Newcam. Et là, on s'est fait capturer. Ils nous ont complètement bait avec le bouton d'autodestruction.
Ah ouais, là on a loupé plein de secrets par contre. On s'est fait complètement bait et donc là ils vont nous... La sentence de mort, donc voilà, ils vont nous exécuter.